récupération. Deuxième buteur argentin, donc il ne trouvera pas la solution avec Léo Messi. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est les réminiscences de ce qui s'est passé tout à l'heure avec le tacle par derrière. Oh, carton rouge. Rouge pour Messi. Au carton rouge. Qui prend rouge? Messi, Messi, Jean-Charles, je crois. Les deux ou Léo Messi? J'ai l'impression que c'est les deux. Possiblement, mais en tout cas, Messi, ça c'est certain. C'est sûr. Le premier qu'il a désigné, j'ai. Ah, c'est tout, de toute manière, c'est trop tard. Il peut discuter, mais il l'a sorti. Hein, donc, C'est terminé, ouais, ouais. Et il va falloir que l'arbitre paraguayen reprenne la direction des opérations. Hein. Dans son autorité au niveau des acteurs de cette partie, parce que ça continue à brasser. On voit Paulo Dybala ici, oui, Medel face à Paulo Diaz. Medel qui vient discuter avec l'arbitre. Alors, il va falloir que les deux sélectionneurs interviennent. Tout le monde est debout, hein. On ne voit pas la zone technique, mais alors là ce sont tous les bancs qui sont en train de se fusiller du regard. Gary Medel, là, manifestement ce sont deux cartons.